Hey, salut YouTube, j'espère que tu vas bien et que t'as passé aussi de très bonnes vacances. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui, je vous balance en direct, enfin non, c'est pas en direct, vidéo de mon passage au point virgule. Ça a été organisé par mon école, qui est l'école du One Man Show. On a fait un spectacle de fin d'année avec toute ma classe. On avait chacun un passage de 5-6 minutes, genre un sketch. On est passé à tour de rôle et ça a fait un spectacle de fin d'année. Et du coup, je vous mets mon passage juste après là. Cet été, j'ai pu faire des trucs de ouf. J'ai pu passer à la radio, faire un festival avec mon école tous les mardis soirs. J'ai fait un festival de danse. Bon, j'ai un peu dansé, mais c'était plus pour raconter des blagues que j'y suis allé que pour faire de la danse. Mais franchement, c'était ouf. C'était le feu. C'était trop cool. Du coup, j'ai trop hâte que vous regardiez la vidéo qui va arriver. Donc, je vous laisse avec et on se revoit après. Pour un petit cours de la cuisine. Alors, vous êtes le 7e et le dernier groupe de la journée. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un bon bamborum. Alors, pour bien commencer, on va commencer par servir un petit coup. Là, c'est mieux. Ensuite, une fois qu'on a bien bu un petit coup, on va commencer par faire préchauffer le four. Alors, il est où le four? Il était là le four. On va faire préchauffer le four pendant 50 minutes. Ensuite, une fois que le four il préchauffe, on va pour faire le bon bamborum, vous avez besoin du lait, du sucre, de la farine, de la levure, du lait, de l'eau. Ah non, ça on va pas en mettre de l'eau. Et une bouteille de rhum. Dans le premier saladier, vous allez mettre tous les ingrédients. Dans le deuxième saladier, on va casser les œufs pour récupérer les blancs. Et les jaunes dans le premier mélange. C'est parti. Je vais vous montrer parce que c'est très technique. Oups. C'est pas grave. Les jaunes dans le premier mélange. Hein. Là c'est bon. Une fois qu'on a bien récupéré les blancs, il va falloir les touiller pour les monter en neige. Si vous avez rien pour touiller, c'est pas grave, vous pouvez utiliser votre doigt. Petite astuce, messieurs dames, pour le temps de touillage, c'est jusqu'à ce qu'on ait la tête qui tourne. Là c'est bon. Ah, il est dissipé le groupe, hein. Ensuite, une fois qu'on a bien touillé, on va incorporer les blancs dans le premier mélange. Mais attention, délicatement. Là c'est bon. Petite astuce, messieurs dames, pour bien mélanger. C'est jusqu'à ce qu'on ait la tête qui tourne. Là c'est bon. Une fois que le four il a bien chauffé, et ben on va pouvoir incorporer le gâteau à l'intérieur. Alors, il est où le foin? Cherche-tu le temps de place? Il est là le foin. On met les gars. Maintenant, on va le faire cuire pendant 20 minutes. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je bouge pas de toute façon.
Moi j'attends que le four il fasse ding. Oui, oui, j'ai pas parlé des doses. C'est vrai, mais on s'en fout. On s'en fout parce que le but c'est un maximum de rhum. Oui, j'ai pas fait le sirop, c'est vrai. Mais on s'en fout aussi. Parce que le sirop c'est le rhum. Bah oui. Oh! Non! Oh, ça sonnait la porte? Oui? J'espère que c'est pas un huitième gros pain. Oui? Ah, mais non! Mais non, mais vous auriez pu me le dire, c'est le four! Alors, il est où le four? Ah bah il est toujours là. On peut sortir le gâteau du four, messieurs dames. C'est chaud. Petit conseil, messieurs dames, pour sortir le gâteau du four, prenez des moufles. C'est bon. Une fois que le gâteau il est bien cuit, comme moi. On va pouvoir y incorporer le sirop. Et c'est le rhum. Oh, mais j'ai pris tout mieux. C'est pas grave. Faut pas gâcher. On va en prendre une toute neuve. Là. Voilà. S'il y en a trop, c'est pas grave, hein. Ça se mange exactement pareil. Là. Et voilà. Vous savez faire un très bon barborum. Pour ceux qui ont pris l'abonnement, vous pouvez me retrouver la semaine prochaine pour la recette, attention, du coq au vin. Bon bah voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu, que vous êtes marrés. Franchement, c'était une expérience de ouf. Pour moi, ça change parce que là, j'avais des vrais gens qui réagissent en direct. C'est différent de la vidéo. La vidéo, j'ai pas les réactions en direct. Et là, franchement, c'était une belle claque et franchement, c'était trop bien. Donc là, on est reparti pour une deuxième année, la dernière, en espérant que tout se passe bien, que je vais apprendre encore plus de choses et que ça me lance, tu vois, que ça me lance sur... sur les routes de l'humour. Donc si t'as aimé ce que t'as vu et que t'as rigolé, bah tu peux toujours t'abonner, ça fait toujours plaisir. Bah tu peux me suivre sur les réseaux qui sont marqués dans ma bio. Je voulais dire un grand merci pour cette première année à l'école du One Man Show, parce que franchement ça m'a permis de libérer ma créativité, d'écrire de nouvelles choses, de proposer des choses sur internet, des contenus, et franchement j'ai trouvé ça, je trouve que c'est trop cool, donc franchement merci. Dans la description, je mettrai le lien de l'école. Vous pouvez aller checker leur page internet et pourquoi pas même vous inscrire si ça vous intéresse. Faites un tour dessus, ça fait toujours plaisir. Sur ce, bah moi je vous laisse. Je vous dis à dimanche prochain. Et sur ce, prenez soin de vous. À ciao l'artiste. Je me contente.